Yo les clipmakers, tu as pu voir peut-être l'événement que j'ai organisé à Cannes le dimanche 19 janvier 2020. Et en fait, je voulais aujourd'hui te faire un petit résumé sur cet événement-là qui a été vraiment une superbe journée. Et les clipmakers ont vraiment kiffé, ils se sont déplacés des plusieurs coins de la France. Et je voulais faire avec toi un petit résumé de cet événement-là qui va d'ailleurs avoir lieu à Paris dans quelques mois. Alors comment elle s'est passée la journée? Le matin on a commencé, il y a eu une présentation, après il y a eu la partie technique avec le GH5 et l'après-midi on a pu faire la règle du clipmaker et ce que l'artiste attend d'un clipmaker et ensuite on a pu passer l'après-midi à tester plusieurs types de lumières et les clipmakers sont repartis en sachant faire des images qu'ils ne savaient pas faire avant puisqu'on a vu en détail le boîtier le matin. Comme j'expliquais, les clipmakers ont ramené leur matériel, donc ils avaient Panasonic GH5, GH4, il y avait d'autres caméras aussi, et avec leurs différents optiques qu'ils ont ramenées. Moi j'ai pu faire essayer mes optiques, ils ont pu voir comment on gère les optiques avec les filtres, et ils ont pu mettre en pratique ce que j'avais expliqué que je voulais faire avec la lumière naturelle, que ce soit au bord de mer, avec la lumière de l'après-midi et la lumière du coucher. J'ai montré aussi la partie tarification et comment on gère un budget de clip de A à Z. Il y a eu vraiment un échange d'idées entre clipmakers et la partie comment s'adapter à 2020 pour aller dans le sens de l'artiste. Évidemment, il y a pu avoir la possibilité de me poser plusieurs questions puisque j'ai répondu à beaucoup de questions qu'on me posait. Et sache bien que pour les prochains workshops, ça sera la même chose, tu auras le choix et tu pourras poser toutes les questions que tu cherches à savoir. Donc je voulais t'expliquer vraiment en résumé comment s'est passée la journée. Pour info, ce prochain workshop-là, je vais l'organiser à Paris dans quelques mois, je n'ai pas encore la date exacte, mais en tout cas, il y aura toujours une partie technique qu'on va aborder et surtout une partie pratique que je mettrai toujours en place. Si les futurs workshops t'intéressent, je t'invite à t'inscrire en bas dans la liste mail pour que tu puisses avoir toutes les infos très bientôt et tu verras que tu pourras toi aussi apprendre sur la partie théorie et sur la partie pratique.